La mer noire. C'est la mer noire. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour la première émission de Questions pour une Champions Cup. Les deux participants, Rodrigue Netti, qui nous vient tout droit de Nouméa. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Alexandre Roumat, qui nous vient des Landes, Mont-de-Marsan, je crois. À côté, mais on va dire que c'est bon. Et Reinhard Telstad, le Sud-Africain de la bande, qui sera arbitre aujourd'hui pour ce thème spécial sur l'Afrique du Sud. Ah, bonjour. Les règles sont très très simples. Trois manches, cinq questions. Thème Afrique du Sud, culture générale, rugby, et on verra ce qui se passera par la suite. Vous êtes prêts? La mer noire. Je suis prêt. Ok, c'est bon, je suis prêt. Le premier qui répond, un point. Mauvaise réponse, point pour l'adversaire. Ça vous va? Okay. On est parti, jingle. Allez, parti, culture sud-africaine. Question numéro 1, quelle est la monnaie sud-africaine? Le rwandais. Très bonne question! Très très bonne réponse! Deux points pour Rodrigue Netti. C'est le round, c'est pas le round. Oui, oui, voilà. Ah, mais il a dit avec l'accent sud-africain. Eh ouais. Ah oui, il est irlandais. Voilà. Merci. Deuxième question. Quelle couleur ne fait pas partie du drapeau sud-africain? Bleu. Mauvaise réponse. Ben, pas moi. Pardon, c'est... Merci. C'est orange. Quelle couleur dans... C'est vert, bleu, rouge, blanc, noir et jaune. Et ouais. Nous sommes sur un 4-0 pour Rodrigue Netti. Merci. Mais non, 2 pour la première question, 1 pour la mauvaise réponse, 3. T'as répondu avant les réponses. Avant du coup, c'est doublé, et même les erreurs. Eh oui, monsieur. Magnifique. Hein. Troisième question, concentrez-vous, monsieur. Faut pas parler, en fait. Quelle est la capitale administrative du pays? Le Cap. Non. Mauvaise réponse. Johannesburg. Mauvaise réponse, tout. Aye. Pretoria. Voilà. Ah, pardon, j'ai pas bien écouté la question. Administrative. Ah, mais du coup, j'ai quand même un point. Oui, j'ai donné la réponse. Exactement. Deux points. Excuse-moi. Allez, deux points, vu que t'as pas énoncé. Du coup, Reinhard, t'as une petite explication sur la capitale. Ça se trouve où? Je sais pas, mais toutes les personnes étaient à voir, c'est les capitales, c'est Johannesburg, mais c'est pas, c'est Pretoria. Ok. D'accord. Merci pour les explications. D'accord. J'ai compris. Quatrième question. Point score, s'il vous plaît. 4-2, je crois. 4-2. Combien de langues officielles compte l'Afrique du Sud? Maman. Vous voulez répondre? Non, je vais pas On attend. On attend. 9, 11 ou 13? Attention, il y a un piège. Ah oui. 9, 11 ou 13? 11. Très très bonne réponse. Boah, j'étais en train de calculer, mais... Attention, vas-y. C'est à l'autre côté. Allez. Du coup, tu peux nous les... 5-2. Il peut nous les... C'est vrai que... Excusez-moi, il n'y a pas les réponses. Si, excusez-moi. J'ai... Dire, c'est quoi? C'est des dialectes, c'est ça? Tu peux nous dire? Ah non, c'est pas parfait. Oui, il n'y a pas. C'est vraiment compliqué pour moi aussi. Même le jury, il ne sait même pas. C'est 11 langues, mais c'est officiel. C'est africana, anglais. Après, c'est Zulu, Soutou, Basoutou. C'est ça. Oui, Pele, Vande. Oui, je ne connais pas tous, mais... Non, il n'y a pas. Par Kanak. Ok, bon, 5-2 du coup. C'est ça? 5-2, exactement. Oui, parce que j'ai attendu. Allez, dernière question pour la première manche. Quels sont les deux pays enclavés en Afrique du Sud? Vous savez ce que ça veut dire, enclavé? À l'intérieur du pays, mais qui sont des pays différents? Exactement. Après, je peux vous... Le Zimbabwe? Moi, je peux dire... Vous voulez que j'énumère les réponses? Il y a la Namibie? Pardon. Du coup, réponse A, le Lesotho et le Leswatini. Réponse B, le Mozambique et le Botswana. Réponse C, le Zimbabwe et la Namibie. Mais il a déjà dit la réponse, donc 2 points pour moi. C'est pas faux. Merci. C'est pas faux. Merci. Et du coup, c'est quoi la réponse? C'est le Lesotho et le Leswatini. Mais c'est pas en Afrique, c'est pas en Afrique du Sud. Oui, oui. Leswatini est le nom porté par le... Swaziland depuis 2018, oui, voilà. Année du 50e anniversaire de son indépendance. Exactement. C'est pour la culture G, ça. Ah oui, mais là, okay, là, j'y suis plus, moi. Du coup, première manche,
Victoire écrasante de Rodrigue Netti. 6 à 2, c'est ça? Oui, bravo. Merci. 7. Ouais, d'accord, merci pour le jury. Une manche à 0 pour Rodrigue Netti. D'accord. Nous allons passer sur un thème qui va vous parler un peu plus, je pense. Le rugby en Afrique du Sud. Le rugby. Le rugby. Le rugby, maçonnique. Comment on dit le rugby en Afrique du Sud? Le rugby. Voilà. Rugby. Du coup, messieurs, en quelle année les Springboks ont-ils remporté leur première Coupe du Monde? 95. Oh. Bravo. Très très bonne réponse. Désolé, je suis obligé de doubler. Petite anecdote sur cette Coupe du Monde? Pas du tout. Elle n'a pas été truquée? Oui, aucune idée. Non, je sais que ça se passe à un côté. C'est un dialecte. A. Que signifie le mot dry en afrikaans? Oui, oui. A. Essai. B. Pénalité. C. Mêlée. Dry. 1, 2, 3. Essai. Très très bonne réponse. Bravo. Il a révisé. C'est pas dry, c'est dry. Oui. Ah. Ah, mais s'il prononce mal, je peux pas. Mais voilà. Faites un effort, monsieur. Excusez-moi. Ouh là là. Question sur notre arbitre international. Combien de sélections nationales Reinhard Telstad compte-t-il pour l'Afrique du Sud? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Réponse C, 11. Tout. Bah non, mais je lui donne la réponse. Combien? 4-0 pour Alexandre Roumat. Là maintenant, ça c'est ouais, 4-0, ouais. Excuse-moi, Reinhard. Vous pouvez peut-être vous rattraper. On peut dire qu'on est sur une manche à sens unique. Exactement. Oui, c'est 4. 4. Contre quel pays? Quelques pays. Ah, contre quelques pays, oui. C'est Argentine, Australie, Pays de oui, contre Pays de aussi les British Irish. Léon Tour. T'avais pris une commotion. Je t'en rappelle plus. Les Irish aussi. Parmi ces stadistes, pardon, lequel n'a jamais joué dans une franchise sud-africaine? Clément Poitrenaud, Frédéric Michalak, William Servat. William Servat. Oui, c'est vrai. Rodrigue, t'es dans les cordes? Je confirme, je confirme. T'es dans les cordes, grave. Vous savez pour qui a joué Clément Poitrenaud? Oui. Pour les Sharks. T'es sûr? Oui. Et Frédéric et Michalak les également. Les Sharks aussi. Très très bien. Et Virgil aussi, là-bas. Quel est le joueur sud-africain ayant disputé le plus de matchs avec le Stade Toulousain? Dan Newman, Reinhard Telstad, Gourtro Steenkamp, alias le G. Allez, je te la laisse, là. Je sais, mais... G. Mauvaise réponse. Attends, Reinhard mais... Mauvaise réponse. Hey. Dan Newman. Ah, mais du coup... Ok, d'accord. Ça fait un 7-0, c'est ça? Le pilier Dan Newman a disputé 201 rencontres sous le maillot rouge et noir. Steenkamp et Elchat comptent respectivement 128 et 116 apparitions. 6-0, du coup... Une manche partout? Ouais. On est d'accord? Jeu blanc. Allez. Si je tout dire. Se joue sur la dernière manche? Exactement. Du coup, belle remontada. Tu passes sous la table pour 6-0. Attends, attends. Ah là, maintenant, pour celle-là? Ah oui, attends. La j'ai dernière... pas sous la table pour, parce que j'ai perdu 6-0. Pourquoi? Mais elle est petite. faut rentrer le ventre là. J'avais... Oh. J'avais pas vu ça moi. Encore. Je passe là. Oui, tu passes oui. Large. Encore. Oh putain, oh, le décor. Faut tout faire toi-même ici. Oh, c'est pas grave. C'est le jeu hein. Attends. C'est le jeu. C'est bon, il est réveillé maintenant. Allez. Troisième manche, on part sur les adversaires du week-end, les Bulls. Vous êtes prêts? Attention, vous avez le temps pour répondre. Ouais. C'est la victoire. D'ailleurs, j'ai pas dit ce qu'il y avait à gagner. Super poster de la rencontre. Ah ouais. Affiche dans Aldeguerri en gros plan dessus. Avec une dédicace de Reinhard Telstad. On peut la montrer ici, voilà. S'il vous plaît. Superbe. Je vais prendre. Merci. Voilà. Mon doudi. Oh là là. Il est là. Franchement, je... À l'aise sur la photo. Ah, pourrait le mettre poster dans la chambre. Moi, je vais me battre pour l'afficher dans ma chambre, quand même. Voilà.
Je vais l'avoir, hein, au-dessus de mon lit. Le cadeau, ça se joue sur cette manche, messieurs. Père, tu portes bien. Quelle marque est associée au nom des Bulls de Pretoria? Panasonic, Microsoft, Vodacom. Vodacom. Eh, mais mon petit poulet, faut te réveiller. Hein. Tu connais la réponse, mais faut appuyer. Non, mais je laisse un peu d'espoir. Un point pour Alex Roumat. Il reste 4 questions. Okay. Combien de fois les Bulls ont-ils remporté le Super Rugby? Il a révisé, il a regardé. A, 3, B, 6, C, 9. 3. 1-1. Merci. C'est serré, j'adore les matchs comme ça. J'avais le chiffre en tête qui n'était pas le bon du coup. Combien de joueurs des Bulls ont déjà évolué en top 14? 6, 10, 14. Bon, Chifoumi. Chifoumi. 6, 10, 14. 6. Très très bonne réponse. Vamos! Lionel Maupé, Bismarck Duplessis, Jacques Duplessis, Johan Goussen, Lizo Gopopaka, pardon, Mornestein sont passés par le championnat de France avant d'évoluer sous les couleurs des Bulls. 2-1 pour Rodrigue Netti. Vous pouvez nous répéter le cinquième, non? Elle est partie. À quelle place les Bulls ont-ils terminé l'an passé dans le championnat de l'URC? Champion, finaliste, demi-finaliste. Demi-finaliste. Mauvaise réponse. 3-1 pour Rodrigue Netti. Les Bulls ont été défaits en finale par les Stormers. Sur le score de 64 à 7. 18-13. Bah, toujours plus, c'est pas... Voilà, c'est ça fait combien? 2-1 pour lui. 3-1. Allez, pour Doudou, faut que je m'applique. Quel joueur compte le plus de matchs sous le maillot des Bulls? Victor Matfield. Oh là 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 là! Magnifique! Du coup, on est à 3-3, on est d'accord? On est à 3-3. Du coup, il faut une petite question supplémentaire. Renard, j'avais pas, moi. Question supplémentaire. Franchement, toi seul connais la réponse. Oui. Tu peux dire ce que tu veux. On peut finir comme ça aussi. Sur une égalité? Sur une égalité, parfait. Mais du coup, vous allez faire comment? On coupe le poster en deux. On coupe Doudy en deux, vu qu'il y a de la place. Non, moi, je peux pas partir sans... Ouais. J'aurais bien aimé partager le parterre avec mon Rod, mais... C'est bon, c'est bon. On est joueurs. Allez, mettez-vous la main de celui-là que ça va partir torpille. C'est une quelques questions. C'est qui les capitaines pour l'équipe de Mont en 2000? Ah, c'est 1995. François Pinard. Voilà, bravo. Bien joué. Tu l'avais pas, celui-là. Victoire. Non, je l'avais pas. Non, tu l'avais pas. Victoire d'Alexandre Roumat. Très, très fier de vous remettre ce premier trophée. Doudy. Dommage, hein. Champions Cup. Oh là là, merci. Un mot. Mais, très grande fierté d'avoir... d'avoir remporté ce trophée. Et je vais même vous envoyer la photo que je vais prendre et je vais l'afficher dans ma chambre, le mettre au-dessus de mon lit. Et voilà, juste pour dire que c'était un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Rodrigue, pas trop déçu d'avoir fait ce voyage depuis Nouméa pour prendre une rouste comme ça en finale? Non, c'était un match assez équilibré. Bon, la deuxième manche, je suis passé sous la table. Et voilà, non, c'était super. Au-delà de ça, c'était un super moment. Merci, messieurs. Monsieur Elstadt, merci pour toute cette analyse sur l'Afrique du Sud. Oui, merci à vous. C'est vraiment de plaisir pour moi pour passer les questionnaires avec vous. Allez, au stade. Allez, je porte. Allez, Louis.